Vous voyagez peut-être à Paris cet été et vous cherchez un plan de Paris qui va vous aider à trouver l'arrondissement pour vous. J'ai trouvé le site internet parfait, je l'ai trouvé sur TikTok, j'avoue, et c'est hyper utile, mais c'est aussi très drôle. On commence avec le plan de Paris et les différents arrondissements. Alors les arrondissements, c'est un escargot, comme ça on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. Mon truc préféré sur ce site internet, c'est les tags. C'est ça, et c'est hyper drôle. Je ne sais pas exactement comment ça fonctionne. On peut proposer différents tags, différentes étiquettes pour les quartiers. Donc on va zoomer et on va explorer ça ensemble parce que c'est très drôle. Vous pouvez déjà voir, ça rigole beaucoup. Startup Land, Famous Dead People, les communistes là-bas. Bon voilà, allez, on zoome. Donc on peut commencer par, on peut commencer par le premier arrondissement. Donc là, on est juste à côté du musée du Louvre. Il y a écrit Passy ouf la Joconde. Passy ouf la Joconde. Ouf, c'est du verlan pour dire fou. Et la Joconde, c'est drôle parce que c'est Mona Lisa en fait. Mais en français, nous, on dit la Joconde. Donc souvent, les étrangers comprennent pas ce que ça veut dire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre autour du Louvre? Ok, Jeanne au secours, c'est un peu la raison pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo. Parce qu'il y a plein de références culturelles et à des mèmes. Jeanne, au secours! Jeanne au secours, ça fait référence à la statue de Jeanne d'Arc. Et c'est un endroit où des gens du parti d'extrême droite viennent pour rendre hommage à Jeanne d'Arc et faire la fête, voilà, et rendre hommage à des valeurs françaises, etc. Et il y a une vidéo culte de Jean-Marie Le Pen, qui était le président de ce parti à l'origine, qui crie « Au secours, Jeanne, au secours !» et c'est très drôle et c'est devenu un mème français, d'où la référence, c'est drôle. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Little Tokyo, bah, c'est toute cette zone-là, ça commence même ici en bas, c'est la rue Sainte-Anne. C'est trop bien cette rue, j'adore. Il y a plein plein de restaurants japonais. Japonais et autres maintenant, il y a des restaurants coréens aussi, vietnamiens, etc. Mais à l'origine, c'est plutôt japonais. Confusing AF Underground, les Halles, ouh, c'est vrai. Le métro là-bas est très compliqué. Ça fait la connexion avec Châtelet, qui est aussi une station de métro principale à Paris. Très importante. Si vous prenez le métro, vous allez sûrement passer par Châtelet. Mais vous pouvez toujours demander votre chemin. C'est quand même. Les gens sont là pour vous aider, c'est bien. Perfect Place, qu'est-ce que c'est? Square du Temple. Ah, rue de Bretagne. Ah, j'aime bien. Perfect Place. Oh, c'est intéressant ça. Alors, je ne sais pas si c'est Perfect Place ou si c'est le meilleur jardin à Paris ou le meilleur square. Mais une chose que je sais, c'est qu'ils ont la meilleure brocante à Paris, à mon avis. Elle est vers rue de Bretagne. Et c'est deux fois par an, je pense. Et c'est vraiment incroyable. Ils ont toujours une sélection d'objets magnifiques. J'adore. Je vous le recommande. Place to be for LGBT colored hair students. Wow, c'est hyper spécifique. Si vous cherchez ce quartier-là, bah, c'est pas loin de l'IRCAM. Alors ça, c'est quoi? Ah, c'est pas loin du musée Pompidou. Ce que j'aime bien avec cette carte, je pense qu'il y a beaucoup de blagues, mais il y a des vraies informations, surtout sur les communautés LGBT, etc., pour savoir quels quartiers sont les bons pour vous, quoi, si c'est ce que vous cherchez. LGBT friendly, carrément. Falafel area, ça c'est vrai. C'est le quartier juif dans le Marais. C'est tellement spécifique, ça n'a aucun sens. Châtelet, blanc qui danse sur du zouk. C'est débile. Le zouk, c'est de la musique des Antilles. Et je sais pas pourquoi ils ont écrit ça, mais ils doivent faire référence à quelque chose. Ah, ça c'est vrai. Alors, beaucoup de rats, c'est impressionnant. Ça c'est à Châtelet. Il y a un jardin autour de la Tour Saint-Jacques. Et le soir, il y a énormément de rats dans ce petit square, dans ce petit jardin. Et ça fait trop peur en fait. Le roi Merlin for rich. Oh, c'est drôle. Ils font référence à deux magasins. Le roi Merlin, c'est un magasin de bricolage, c'est un peu comme Home Depot, il y a de la décoration, mais il y a aussi des outils, des choses pour bricoler. Et BHV, c'est un magasin incroyable, il y a de la mode, voilà, plein de choses comme ça pour la maison, de la décoration, et il y a aussi une partie bricolage dans le sous-sol.
C'est drôle parce que j'avais travaillé là-bas un été. Je travaillais à la caisse, c'était pas mal. Et c'est un super magasin, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus cher. Alors, on va bouger un petit peu de quartier. Ça, c'est l'île Saint-Louis. C'est l'un des plus beaux endroits à Paris. C'est vraiment magnifique. Si vous avez regardé Emily in Paris, elle prend un café juste ici, sur cet endroit, pas loin du pont Saint-Louis. Et oui, il y a écrit touriste. C'est vrai qu'il y a beaucoup de touristes et il y a des cafés, des restaurants ici qui sont très chers. Ils sont très très chers, mais qui sont très bons, hein, mais ils sont très chers. Horses, ça c'est un bon truc à savoir et ça étonne toujours les touristes quand ils viennent à Paris. C'est ce qu'on appelle la garde républicaine et ils font des tours à cheval dans Paris, c'est toujours très beau à voir. Ensuite, on arrive, ça c'est quoi? C'est le 5e arrondissement. Oh, Midnight in Paris, c'était filmé ici, d'accord, c'est drôle, c'est où? C'est pas loin de... Pas loin de Panthéon. Ah bah Panthéon, c'est là où ils ont filmé Emily in Paris aussi. Ah voilà, Place Emily in Paris. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors... Depressed Smokers and Coffee Drinkers. Oh, la Sorbonne. Oh, c'est bizarre. Je comprends pas très bien la référence, mais c'est un peu drôle. Pourri gâté de Paris, c'est quoi? Rue Mazarine. Je connais pas très bien ce coin-là. Quelqu'un qui est gâté, c'est quelqu'un qui est spoiled. Mais quand on dit qu'il est pourri gâté, so he's rotten spoiled. Je sais pas si ça marche en anglais. Mais voilà, pourri gâté. C'est-à-dire qu'ils sont « very spoiled ». Ah, c'est drôle, vieux schnock. Un schnock, un vieux schnock, c'est un mot d'argot pour dire une vieille personne, mais un peu nul, quoi. C'est pas un mot très gentil, c'est juste un vieux schnock. Voilà, c'est pour dire que c'est le quartier des vieux, un peu pas sympa. « Most expensive coffees in Paris ». Ah, c'est le café de Flore. Oui, c'est vrai que c'est l'un des cafés les plus chers. C'est très beau, hein, c'est très bon, c'est de la bonne qualité, mais c'est tellement cher, c'est beaucoup trop. Allez, on va bouger un petit peu. Ah, c'est drôle. Le PS en PLS. Ok. Le PS, c'est le Parti Socialiste. Donc, je pense que c'est leur siège qui est dans ce quartier-là. Et en PLS, ça veut dire en position latérale de sécurité. C'est une position qu'on utilise en secourisme. Et quand on utilise ça ou cette expression en argot, que quelqu'un est en PLS, ça veut dire qu'il va pas bien, qu'il est presque un peu malade ou parce qu'il va pas bien. Et ça fait référence juste à la situation politique en ce moment du Parti Socialiste qui est pas super. Ils ont fait moins de 5% aux élections, enfin c'était assez bas. Donc je pense qu'ils font référence un peu à ça. Le PS en PLS, et c'est un petit peu drôle aussi, ça rime un peu. Le PS en PLS. Ouf, Stolen Art Museum. Ok, ça fait référence au musée du Quai Branly. C'est un musée des arts et des civilisations anciennes. Donc ça va être plein d'objets qui viennent d'Afrique, de tous les continents en fait. Donc aujourd'hui c'est un peu controversé ce genre de musée parce que les gens disent que c'est de l'art qui a été volé finalement. Oh, Lebanese wedding pictures. Ah, mais ça c'est assez drôle. Alors, je dirais que c'est là, mais c'est aussi partout dans Paris, sur les quais. Il y a beaucoup de couples, alors, chinois et du Moyen-Orient. Je ne sais pas quel pays exactement, mais apparemment, c'est beaucoup de Libanais. Ça, je ne savais pas du tout. Et ils viennent faire leurs photos de mariage. Et parfois, c'est un peu comique parce que au même endroit, il y a trois couples qui font la même photo, mais des gens qui ne se connaissent pas. C'est hyper bizarre. Parfois, c'est un peu surréaliste. Alors, on va monter par là. On va se rapprocher de l'Arc de Triomphe. Alors, j'apprends des choses sur ma ville. Apparemment, dans ce quartier-là, il y a beaucoup de sugar daddies. J'étais pas au courant. C'est hyper bizarre, mais c'est un peu drôle quand même. Là, on est à l'Arc de Triomphe. Oh, waouh. Gilet jaune victory. Ok. Alors, je pense que, clairement, les gens, ils ont des opinions politiques très claires. Les gens qui mettent des étiquettes sur ce site. Gilets jaunes Victory, ça fait référence à des images très fortes des manifestations des Gilets jaunes.
qui sont arrivés jusqu'à l'Arc de Triomphe. Et normalement, c'est une route totalement interdite pour les manifestants, les Champs-Élysées et tout ça. Ils ont fait ça de manière pas organisée et ça n'a pas été autorisé. Et ils sont arrivés jusqu'à l'Arc de Triomphe et c'était des images très fortes, en fait. Le problème, c'est qu'ils ont cassé et endommagé le monument. Je pense que quand même, en général, les gens étaient d'accord pour dire que ok, vous pouvez manifester, vous n'êtes pas d'accord, mais endommagez pas le patrimoine français, c'est quand même dommage, quoi. C'est un peu chaud, là, tout ce que je vous raconte, mais c'est la vérité sur Paris. Paris, c'est beaucoup plus que juste les monuments, voilà, il y a des communautés différentes, il y a des problèmes, c'est conflictuel, quoi, comme toutes les grandes villes, je pense. Bon, bah, c'était hyper cool à explorer ça avec vous, j'ai pas fait tout le plan de Paris parce que c'est trop long à expliquer. Je peux faire une partie 2 si ça vous intéresse. Dites-moi aussi si vous avez des questions sur ce que j'ai raconté ici. Et puis comme d'habitude, vous pouvez nous trouver sur Instagram, on est très présents là-bas. On est sur Patreon si vous voulez nous aider et ça nous aide à acheter du matériel, c'est très cool. Et puis si vous voulez continuer à apprendre le français avec nous, vous pouvez aller sur streetfrench.org. Et on a un cours gratuit là-bas que vous pouvez essayer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à la prochaine. Salut, bye bye!